<laughs> Bismillah rahman rahim alaikum wa rahmatullahi wa Chers euh, amis, chers amis, euh, chers frères, chers soeurs, chers followers, chers flowers, <laughs> mm. à vous tous, euh, nous vous souhaitons la paix, l'amour, la beauté. Et la générosité divine, afin qu'elle descende sur nous cet après-midi pour vous parler d'un sujet exceptionnel et dont on ne parle pas très souvent, malheureusement, mais qui a été bien sûr euh, euh, non seulement étudié et théorisé par les, les grands maîtres soufis et en tête desquels, bien sûr, Cheikh Mohamed Ibn Arabi. Mais pas que, et ça, c'est Sliman-Lesprit nous en dira plus, et nous sommes très heureux aujourd'hui, nous ne sommes pas à la maison soufi, mais la maison soufi est un peu dans nos cœurs à tous, donc on est toujours à la maison soufi quand on garde cette... Euh, cette idée de, de permettre à tout un chacun de recevoir le rayonnement du soufisme où qu'il soit et à travers aussi donc ces petits entretiens, un, peu, un échange qu'on va essayer d'avoir avec notre cher ami Slimane sur cette réalité mohammedienne. Le prophète de l'islam, al bien sûr, tout le monde le sait, est né en environ en 570 en, en Arabie, dans la ville de Mecca, Mecca al-Mukarrama. Donc Mukarrama parce qu'elle a été honorée de sa naissance et honorée aussi de la présence de la maison d'Allah, bien sûr. Et donc ça, c'est le prophète historique, puis il est parti dans, vers l'autre monde en, environ en 632. Après la naissance présumée de Jésus-Christ, et donc ça, c'est le et il a apporté un message. Mais quelle est cette réalité mohammedienne Est-ce qu'elle a est-ce qu'elle est apparue à ce moment-là et avant elle n'a pas existé ou est-ce qu'elle a préexisté à cette manifestation corporelle Et pour introduire le sujet. Euh, je voudrais lire un hadith. Donc et là, nous avons, euh, grâce aux enseignements spirituels du Prophète qui ont été édités par les éditions Tasnim et, et donc traduits par notre ami Taïb Chouiref, euh, un recueil de hadiths sur la spiritualité, mais uniquement pour les pour les professionnels, j'allais dire, pour ceux qui cherchent vraiment le, le détail, uniquement des hadiths Sahih. Donc, des hadiths sur lequel il y a l'unanimité des savants. Et donc, un hadith sahih qui a été rapporté par Ibn Saad nous dit donc, c'est Qatada qui nous dit, le prophète a dit, alayhi salam, Kuntu fil khalq wa fil Et donc, là, ça nous interroge énormément. Donc, je traduis Je fus le premier des hommes à avoir été créé et le dernier à avoir été envoyé, sous-entendu, en tant que prophète. Donc je passe la parole à notre ami Slimane pour un petit peu développer cet aspect-là. C'est gentil, merci à Siam hafid Content dans les conditions de confinement actuelles de pouvoir se retrouver <coughs> en la fin de ce mois de Rabi Al-Awwal. Pouvoir parler du Habib, le Mahboub, Sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soûberna bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa ala Sharf al-Mursalin Sayyidna Muhammad ala ali wa sahbihi. Une date qui tombe également euh, proche du 15 novembre, qui était ces jours-ci, qui était la date anniversaire de naissance. On fête toujours les morts, on peut aussi fêter les naissances de Shir Abdel Wahid Yahya, René Guenon. Euh, dont dont l'œuvre est malheureusement euh, pas assez connue. Et si elle était un peu plus connue, on s'apercevrait qu'elle est entièrement mohammadienne et que lui était entièrement mohammadien, puisque toute son œuvre euh, est basée sur la structure même de la tradition. Et pour ça, on se souviendra du hadith de Jibiril, quand il vient voir le prophète salam, et puis qui va lui poser certaines questions et notamment en lui demandant qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que l'ihsan. Et quand il s'en va, Ahmad euh, ibn Al-Khattab va lui demander mais ya rasoulallah qui était cet homme Et que l'on ne connaît pas, qui n'avait pas de trace de voyage sur lui et qui est venu te questionner alors que c'est toi le prophète. Très et duriel. le prophète salam va lui répondre, c'était 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 Gabriel, l'ange Gabriel qui est suscité divinement et qui me transmet également le Coran. Et là, on est quand même euh, dans la seconde partie de la révélation de la prophétie puisque ça se passe à Médine. Et on, on voit qu'à la fin, il lui dit il est venu vous enseigner votre tradition, din. Et on voit que ce din, il l'a structuré en trois parties, trois trois, plans, trois domaines, trois degrés islam, iman et hassen. Le soufisme étant euh, la partie la plus haute, la plus spirituelle, l'Ihsen. Et le musulman, euh, dans la terminologie coranique, peut donc à ce moment-là prendre deux connotations. Soit quand on divise euh, le dîn en trois, c'est la première partie, et c'est ce qu'on appelle l'ail fiqh Donc c'est euh, la connaissance de la lettre. Donc l'islam, ça, ça, ça correspondrait à l'islam. Voilà. Mais on peut aussi dire que ça concerne le tout, puisqu'il n'est dénigre l'islam mm -hmm. et que la tradition dans son entièreté s'appelle aussi l'islam. Donc on voit bien que le, Donc le, le message, l'islam dans son sens propre contiendrait iman et Ihsan. C'est ce que tout à fait. Je comprends. Et c'est pour ça qu'il y a un islam qu'on pourrait euh, écrire avec un i majuscule et qui est une forme traditionnelle parmi les autres et qui est la forme historique et il y a l'islam avec un I majuscule qui est l'ensemble de la tradition et qui est celle que tous les prophètes ont amené Puisque donc dans le sens étymologique cette fois-ci du dans mot islam sens, voilà. qui signifie donc bah Alors la racine islam, Salama euh, va, va nous donner avant tout la notion de paix or on ne trouve la paix et là je renvoie au chapitre de Guénon dans le symbolisme de la croix guerre et paix on ne trouve la réelle paix que quand on est au troisième plan c'est-à-dire au moment où on a dépassé les oppositions et que n'ayant plus de termes contraires, il ne peut y avoir que la paix. Et donc la paix, elle, maqam al-ihsan. Et Allah nous dit dans le Coran il y a dehooqum a salam Et il nous appelle donc à ce troisième plan. Donc on pourrait appeler aussi l'islam la voie de la paix ou la voie de l'harmonie finalement. Oui, Parce que qui tu même... parlais de résoudre les contraires. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est une voie qui mène à cette station de la paix et qui est la troisième station, la dernière, celle de l'ihsen, que l'on retrouve dans le symbolisme de la prière, puisque les positions fondamentales sont le Riyam quand on est debout, le Ruku quand on est en inclinaison, et la sejda, quand on est en prosternation, qui correspondent à ces trois plans, islam, imam, Et au moment où on est dans la sejda, quand on se relève dans le face à face au divin, on fait le tahiyya, que l'on finit par assalamu alaykum. Donc le salam de l'islam. En fait. Et c'est là qu'on a le salam, puisque c'est là qui a reçu le salam, assalamu Nabi. Et nous-mêmes, une fois qu'on reçoit le salam, on répand le salam autour de nous, assalamu alaykum, assalamu alaikum, On répand le salam. Le prophète était un prophète de salam, un prophète de paix. Évidemment que euh, il est peu connu sous sa double dimension qu'on pourrait appeler la double nature. Et donc pour en revenir au, au sujet présent et, et de parler donc du prophète le salam en cette occasion du mois de Rabee al le mois où il est né. Le prophète le salam dans le Coran même a une double nature. Il a une nature humaine en tant qu'il est le support de la prophétie, et il a une nature intérieure qui est celle de l'esprit, et on se rappellera que le Coran nous dit en parlant du Bachar du j'ai soufflé, soufflé de lui j'ai de, de, de mon esprit, esprit en, lui. en lui, lorsque j'ai créé l'homme et là encore dans cette création de l'homme, on retrouve à nouveau ces trois plans, il dit et dans un autre verset il dit insen Or, à ce titre là, en tant que Bachar et Insen, ce n'est plus seulement le prophète, mais nous tous qui sommes concernés. Et là, le prophète va être le modèle de ceux qui viennent réaliser cette notion et ce verset. Et c'est pour ça qu'il est, comme le dit le Coran, la Khadkan, uswatun il y a pour vous dans le prophète un modèle excellent. En tant que modèle, il est l'être humain prototypique qui va réaliser la volonté divine mais nous sommes tous appelés à ça on se rappelle de schemseddin et tabrizi qui disait dans une de ses sagesses ô oh, homme si tu te souviens que l'esprit a été insufflé en toi tu dois comprendre que chacun d'entre vous est destiné à être l'envoyé de dieu sur terre donc si, si je comprends bien il est modèle euh, on le suit dans ses actes extérieurs mais il faudrait aussi pouvoir appréhender ou approcher le prophète en esprit, en quelque sorte. Sous tous les plans. Sous tous les plans. C'est-à-dire que la réalité totale de, 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 du prophète dont on va parler, en réalité, chacun de nous est appelé à la réaliser. C'est notre raison d'être sur Terre. L'ircène, qu'on pourrait appeler donc ce troisième. Plan. La voie de l'excellence ou la voie de la perfection, ou voilà. la voie de la vertu. Ou... Qui, dans le Coran, est le plan où se trouve la rahma, le salam. Euh, la liberté, le bonheur, un euh, ni'ma, c'est le serat al-mustaqim, donc c'est la voie verticale, etc., etc. Et donc, par exemple, à l'inverse nous dit « Allah vous invite, vous convie, même plus, il vous ordonne, il vous enjoint en la justice et elle wal l'ihsan » c'est réaliser l'ihsan qui est votre nature propre en tant qu'être humain et parmi la création vous êtes la créature privilégiée pour réaliser cette station Mais -ce, une, une question est-ce qu'on peut réaliser l'ihsan est-ce que c'est pas tendre tout le temps vers, vers cette vers cette excellence est-ce qu'on peut dire un jour je suis dans l'excellence alors oui et non parce qu'en fait il y a les stations et dans chacune de ces stations il y a un début et une fois, Par exemple, dans la station d'El-Imen, il y a le, le, dans le livre de l'imam El-Bayhaqi, il explique que dans un hadith, le prophète dit le plus bas degré de imen donc de la deuxième station, c'est d'enlever tous les déchets sur le chemin, sur le chemin et qui, qui, qui doivent permettre euh, d'évoluer, de marcher tranquillement sans être gêné. Et il dit, la plus haute station, c'est El al Eh bien, quand on est dans l'ihsen, c'est exactement pareil. J'avais traduit un, un livre, Khatm al le, le, le Saut des Saints de Hakim et tirmidhi mm -hmm. dans lequel il y a un chapitre destiné à cette notion, où il explique que dans l'ihsen, il y a le moment où on entre dans l'ihsen, et ensuite le moment où on évolue dans l'ihsen, et que dans l'ihsen même, il y a des sous-stations et des degrés. Il y a celle des Aouliyah, des Salihin, des Muqarrabin, des Nbiyah, des faut traduire les termes, puisqu'on a des, des francophones aussi qui nous suivent. Donc, les aulia, les, les Saints, les, les rap. et parmi les Saints, il y a des degrés. Les Salihin, 33. tu as dit aussi. Voilà, les Salihin. Et là, il faudrait que l'on revienne sur ce terme mm -hmm. puisque il est il est capital et central on le traduit toujours très appro approximativement par les pieux c'est tout à fait insuffisant salihine quand on se souvient dans la prière quand le prophète arrive lors du salam et al mirage dans la proximité divine on lui dit assalamou alayka ya hayyu nabi donc c'est à cet endroit-là qu'on reçoit le salam au troisième plan de la proximité divine et ce troisième plan est aussi, aussi celui des muqarraboun, des proches de Dieu. Surat al-Waqi'a, qui nous décrit Ashab ul les, les gens de la droite, droite. ul-Mash'ama, les gens de la gauche, wa Ou les les, 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 de, les devanciers sont les devanciers, c'est ceux qui sont les rapprochés. Les proches de Dieu, donc ils sont dans le troisième plan. Mmh. Jean de la gauche, Jean de la droite, et, et donc il y a franches. la réponse du prophète salam, quand il dit Salim voilà, aléka là où il reçoit le salam, qu'est-ce qu'il fait Il va lui aussi répandre ce salam. Mais à qui le répand-il Parce qu'il ne peut pas l'envoyer à Dieu qui est lui-même le salam oui. par excellence. Donc il dit Assalamu wa ala et Donc le salam il est donné aux Ça c'est très important. Il n'est pas donné à tout le monde il n'est pas donné à tout le monde et ça encore une fois Madame, si sur le les, Coran, donc sur les serviteurs de Dieu comment on traduirait ibadallah salihin salaha la racine salaha l'islah qui a été encore une fois galvaudée au 19e siècle mm -hmm. quand euh, un certain nombre de penseurs ont constaté que l'islam avait un retard technologique par rapport à l'occident ils se sont appelés el, el muslimin euh, l'islam a été un mouvement de réforme. Or, c'était une réforme politique qui avait pour but de faire prendre conscience aux musulmans que l'islam avait un problème et pour le régler. Enfin, que il, les musulmans il y a avaient eu, un problème. Il y, a, il y a eu plusieurs avis, plusieurs solutions, plusieurs. Euh, mais en tout cas, ça, ça, ça se tenait le plus souvent sur un champ politique, et rarement sur un plan spirituel où en fait, c'était la volonté l'islam et la volonté divine qui était trahie, c'est ça qu'il fallait restaurer. Or, en voulant restaurer beaucoup, on voulut redonner une forme à l'islam qui lui permette de se moderniser et de s'intégrer à la modernité naissante de l'industrialisation de cette époque-là. Or, c'est exactement l'inverse qu'il fallait faire, puisque Donc, le la mot salé, modernité... Le mot Saleh, finalement, signifie Alors, justement, mm -hmm. quand on revient à l'étymologie la, à la, à la, à à mm -hmm. du mot, jusque dans l'arabe parlé de tous les jours, en, en terre arabe, c'est quand on va réparer quelque chose qui est endommagé, qui est cassé, et qui ne peut plus remplir son rôle. Donc, par exemple, quand on va dans un garage, qu'on a un, un, un pneu crevé... Euh, et, et, et que la roue ne peut plus faire son rôle, et elle ne peut plus permettre à la voiture d'avancer, qu'est-ce qu'on a euh, en, en haut du magasin On a « et la ajala ». On répare réparation. la roue, réparation de la roue. Or, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce qu'on fait Une roue qui avait une fonction première, qui était de permettre au véhicule d'avancer. Le pneu a crevé ou s'est déchiré ou etc., il ne remplit plus sa fonction. Donc il va falloir le réparer, le remettre dans son état d'origine, pour lui permettre à nouveau de remplir sa fonction. Donc salihine. Ce al-ladin qui yusalihun din qui restaure. La, la tradition qui remet en ordre qui remettent la tradition dans sa fonction première et lui permettent de remplir sa fonction qui est celle de nous permettre de réaliser Allah ici-bas dans la manifestation de manifester Allah d'adorer de connaître Allah or restaurer la tradition comme elle était à son origine et on verra que la notion d'origine par rapport au maqam mohammedien est importante. C'est lui redonner ses trois dimensions. Et, et aussi, on peut noter, tu as noté le mot islam qui a été galvaudé, mais en même temps, il, il y a une, euh, une acceptation populaire de ce mot. Euh, dans les pays du Maghreb notamment, quand on dit euh, Salihin ou aulia Allah Salihin ça désignait aussi les, les saints en fait euh, dans, leurs dans leur ensemble Exactement. donc en fait ils étaient déjà considérés euh, dans l'imaginaire euh, collectif comme ceux qui réparent ou comme ceux qui rendent mieux les choses que ce qu'ils ont trouvé avant en fait en quelque qui sorte qui redonnent à la tradition toutes ces lettres de noblesse et donc qui, qui ils réparent aussi les êtres humains en fait, finalement, qui les âmes les trois plans. Bah oui, bien sûr. En, bien en sûr. dehors de eux-mêmes, parce que pour le faire, un pour ensemble. les autres, il faut l'avoir fait en soi-même d'abord. Tout à fait. Donc c'est eux-mêmes des gens. Or quand là on parle d'origine, c'est de remettre les choses comme elles ont été à l'origine, selon la volonté divine. Eh bien, revenir à l'origine d'une chose, c'est revenir à cette primordialité. Or concernant la tradition, c'est comprendre. Que le message mohammedien, quand il est avec un I majuscule, il est porteur de la primordialité. Islam. Or, l'islam n'est pas autre chose que l'expression complète de la tradition primordiale. Or, le Salihin est celui qui, un, a conscience de la tradition primordiale, qui, deux, la réalise en lui-même. Et qui, trois, la remanifeste. Que, quel sens euh, donnes-tu exactement au mot tradition Parce que c'est encore plus que le mot islam, c'est un mot qui est galvaudé de nos jours. Exactement. Donc, comment le définir Pour qu'on qu soit tous d'accord euh, et qu'on comprenne ce dont il s'agit. Le mot traditionnel, il est devenu. Euh, synonyme d'habituel. Ah, c'est traditionnel, c'est habituel, c'est conventionnel. Ou c'est ancien. Voilà. Aussi un petit peu. Alors qu'en fait, je parle plus de tradition que de religion pour une bonne raison. Et pour ça, je renvoie encore une fois à Guénon, qui explique très bien cette différence dans l'introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. Il dit que la tradition est justement le premier plan, en fait. Et que cette notion de tradition ou de religiosité est inclus dans la tradition. Et elle, la tradition, va englober les trois plans et va englober la religion dans sa dimension horizontale qui vient, le mot vient du latin religare, qui permet de relier les gens entre eux. Et le mot religion a aussi une autre connotation qui est spirituelle avec un R majuscule et c'est ce, ce qui permet de relier l'homme à Dieu. Quand on redit les hommes aux hommes, on est dans l'horizontalité, là c'est des codes sociaux, c'est la dimension normative du Coran. Et quand on est dans la dimension spirituelle, on est avec un R majuscule, et là le lien il est vertical entre l'homme et Dieu. Et la tradition est le terme qui emploie, qui englobe toutes ces dimensions. Donc il y a aussi, il me semble, Guénon justement... Un donne une définition précise. Il dit aussi, c'est ce qui est d'origine non humaine. Tout à fait, puisque ça vient de tradere en latin, qui veut dire transmettre. Or, n'est traditionnel que ce qui a été transmis de la part du divin. Donc voilà, donc c'est voilà le sens du mot tradition. Donc c'est quelque chose qui est d'origine divine et qui est transmis à l'humanité. Exactement. D'accord. Exactement. Donc, dans cette notion là. Le Coran va nous donner un ensemble d'indications. Et par exemple, pour qui le prophète est-il envoyé Il est envoyé pour les ummiyin » qui sont les ummiyin » que l'on traduit par illettrés. On nous dit, c'est pour les gens de la Mecque. Les gens de la Mecque n'étaient pas tous des ummiyin, n'étaient pas tous des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Donc la notion de ummiyyin nous renvoie à une notion de virginité. C'est-à-dire d'un réceptacle adéquat, prêt à recevoir la révélation divine, qui évidemment, la grille de lecture divine étant différente de celle de l'homme, c'est l'intellect premier qui rencontre la raison. Et la raison doit se plier à l'intellect premier. Le Ummi est celui qui a réussi ce travail de virginisation intérieure, ce travail de déconstruction de nombre de certitudes. Par exemple, Guénon, dans la crise moderne, qu'est-ce qu'il fait Il déconstruit le les idoles modernes. Tous les ismes, sentimentalisme, la démocratie, la, le laïcisme, l'industrialisme, le, le machinisme, le mécanisme, le féminisme, le, et tout, tous les ismes. En fait, il les déconstruit. Et il faut accepter de faire ce travail de déconstruction pour retourner à une objectivité neutre, permettant d'accepter la, la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'on aimerait ou que les codes sociaux de notre époque nous la présentent. Donc ce travail-là nous montre que le prophète, le message mohammedien, le message coranique, s'il est destiné à tout le monde, il n'est pas reçu par tout le monde, puisqu'il faut des qualifications particulières des qualités, pour le vraiment. recevoir. Mmh. On reprend le début du Coran, par exemple, quand il nous est dit. Que ou donne Il est Voici le livre sur lequel il n'y a point de doute une guidance pour les Muttakin. Alors, comment tu. Donc, encore une fois, là, il faut faire un okay. travail étymologique. La, taqwa, pour la aller préservation. Chercher la racine, oui, c'est la préservation. On préserve quoi On préserve notre état originel. C'est-à-dire que, comme nous dit le Coran, on préserve notre fitra. Et cette fitra, c'est justement notre primordialité, c'est celle qui nous dégage de toutes les formes et qui nous permet non pas de les rejeter, mais de passer au-dessus comme on passe au-dessus de la lettre. Et donc, on retrouve dans le hadith qui dit, comme le verset coranique, tout enfant quand il naît, il naît dans la fitra. Donc il naît dans une primordialité. Et ce n'est que les codes extérieurs qui vont faire de lui un chrétien, un juif, un musulman, un, majus, un etc., etc. Or, il faut savoir se dégager de ces cadres pour se, se dire quelle est réellement la tradition divine. Et c'est là qu'on peut dépasser les cadres et se dire qu'en fait, il n'y a qu'une seule tradition unique, qui est cette grande tradition universelle qui est la tradition primordiale, qui va s'exprimer à travers mille et une formes, que vont être les formes d'Afrique et d'Asie, d'Orient, d'Occident, du Nord, du Sud, ou à travers le cycle humain, il y en a eu des milliers. Mais en réalité, elles ont tout le temps, tout le temps, tout le temps véhiculé la même chose. Or le prophète, il vient rappeler ça, il le rappelle dans une forme, mais en fait ce qu'il qu nous donne, étant en mode symbolique, puisque tous les écrits s'expriment, en mode symbolique, Allah ne fait que proposer des symboles aux gens. Or, le symbole a cette, euh, ce privilège en tant que forme d'être une forme qui nous appelle à dépasser la forme. C'est une forme qui nous emmène vers la non-forme. Et le prophète, il a ces deux dimensions. Il a une dimension formelle qui est son humanité. Je suis un homme comme vous. Et il a cette dimension qui est informelle et qui est celle de la conformité pure à la vérité divine, qui elle est sans forme, peut prendre toutes les formes, mais ne peut pas être restreinte ou circoncise à une seule forme. Justement, pour illustrer ça, en, euh, il y a un chapitre entier dans le Saut des Saints de, de Michel Shostkevitz. Shostkevitz, donc euh, aux là, éditions là, là. Gallimard, c'est-à-dire et, et donc là, il, il traduit justement le, quelques passages du, des Futuhat ou des Fusos, donc de Sheikh Moheddin al Arabi. Et justement, pour... Pouvoir un petit peu faire comprendre un petit peu à nos auditeurs de quoi il s'agit et que tu, que tu nous donnes davantage d'éclaircissements là-dessus. Euh, si tu permets, je vais lire un, un ou deux passages. Et donc là, il nous... Donc dans les photos hat euh, dans le volume 1, page 243, je lis directement la traduction Hérité de l quelconque d'entre les prophètes, c'est toujours pour un saint hérité de Mohammed. En effet, les prophètes ont été ses substituts dans le monde de la création alors qu'il était un pur esprit. Conscient de cela, antérieurement à l'apparition de son corps de chair, lorsqu'on lui demanda Quand fus-tu prophète il répondit J'étais prophète alors qu'Adam était entre l'eau et la boue. Ce qui veut dire alors qu'Adam n'était pas encore venu à l'existence. Et il en fut ainsi jusqu'au moment où apparut son corps très pur, et à ce moment... C'est ça l'autorité de ses substituts. Donc tu parlais d'un ensemble de prophètes, les 124 mille prophètes bien sûr. C'est-à-dire des autres envoyés et prophètes. Et donc il y a un autre passage qui éclaire ceci. Euh, donc euh, au sujet d'Adam, le prophète dit donc j'étais prophète alors qu'Adam était entre l'eau et la boue. Et là, on peut se demander effectivement euh, ce hadith, est-ce qu'il est sahih ou est-ce qu'il l'est pas Et là, effectivement, il y a eu beaucoup de polémiques, euh, mmh. notamment Ibn Taymiyyah et bien d'autres auteurs. on, on retrouve, il y a, y a on... nombre d'autres hadiths. Oui, qui mais j'en viens. Va, on tentait d'en établir le caractère de Bid'ah. Euh, et pour le polémiste Hanbalit, ce, ce hadith serait un faux et seul peut être admise, justement, il, il dit, la version rapportée par Ibn Hanbal et Tirmidhi. Mais dans Ibn al et qu'est-ce qu'ils disent? Selon le, laquelle le prophète aurait dit: "J'étais prophète alors qu'Adam était entre l'esprit et le corps, bayn et al-jasad, ce qui veut dire exactement la même chose, chose. puisqu'il n'était pas encore créé entre le roh, donc entre l'esprit et jasad et le corps. Donc, il y a autre chose puisqu'on parle de réalité mohammadienne, euh, pour que nous... Elle a plusieurs noms cette réalité mohammedienne, parfois mm. réalité mohammedienne, donc haqiqa mohammadiya, mais on parle aussi de nour mohammadi, de, de lumière fait. en fait. Tout à fait. Et, et, et c'est pour ça que sur ces points, il y a des choses à éclairer qui sont importantes. Euh, il y a par exemple les tenbihat à la ulu al al-haliya, qui est euh, petit épître de Muhyiddin ibn Arabi. Mmh. Et actuellement, euh, on peut regretter, j'ai commencé un travail sur la question, mais c'est un travail vraiment ample, c'est qu'on a très peu de choses sur la haqqa en français. En arabe, il n'y en a pas tellement non plus. S'il y en a, c'est souvent éparpillé. Mmh. Là, tu viens de donner euh, un exemple, donc chez Narabi, on a des passages, mmh. mais pas seulement... Les Mirab lancé dans fennaboul Sish, Harani, beaucoup de grands maîtres ont abordé cette notion de façon directe ou des fois voilée, parce que ça pouvait poser problème à une époque. C'est que les, les, les deux euh, piliers centraux fondamentaux de l'islam, c'est la Shahada. C'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Or, sur le plan ésotérique, ils correspondent à deux points doctrinaux fondamentaux. Qui sont la Wahdat al-Wujud pour la ilaha illallah et le Haqqa Muhammadiyya pour Muhammad Rasulullah. Et on s'aperçoit que ces enseignements-là, finalement, n'étaient pas publics. Étant ésotériques, ils étaient réservés et rendus publics, ils pouvaient poser problème. Et donc, les maîtres se sont souvent exprimés à ce sujet-là de façon voilée et symbolique. Donc, on a très peu de choses. On a euh, l'imam Yusuf Nabhani qui a, a fait une espèce de synthèse assez importante en 500-600 pages sur la notion de Haqqa où il a été justement recherché nombre d'enseignements chez les grands noms et les grands maîtres de l'ésotérisme islamique, donc du Tassawuf. Évidemment que tous avaient la connaissance de ce point doctrinal important, mais c'était exprimé de façon assez voilée. Alors, on peut en retrouver des des notions développées chez Guénon, mais encore une fois euh, de façon où euh, le, le, le lien n'est pas toujours évident. Par exemple, dans les, les états multiples de l'être, quand il parle de la relation de l'être et du non-être, quand il parle de la nature de la fonction de l'être, il parle de la harka Muhammadia, puisqu'en fait, dans les états multiples de l'être, la harka Muhammadia correspond a un point très particulier qui est le Sidra tel montara. Donc le lotus de la limite. Lotus de la limite. Mais en fait, le mot Sidra euh, a, a un, un nombre de, de significations qui est importante. La notion Sadra, qui veut dire également poitrine, transmettre, point d'origine, c'est que c'est le point d'origine suprême, dernier, de la manifestation. C'est-à-dire qu'au-dessus de lui, il y a la non-manifestation et le divin pur. Et à partir de lui, s'ouvre la manifestation. D'accord. Et la, la, la station mohammedienne, elle est à cet endroit-là. Donc, de ce qu'on appelle el-haqiqa al-muhammadiyya. Lakin, le problème, c'est que il faut encore une fois comprendre ce que c'est. Et dans les ten dont je parlais de Ibn Arabi, il va donner. Plusieurs symboles. Et il dit par exemple, la Haqqa Muhammadiyah, c'est la lettre Ba dans le symbolisme de l'alphabet. Le halif manifestant le divin, le Ba est l'ouverture, la première création divine. C'est la première chose qui va engendrer toute la manifestation, toute la création. Voilà ce qu'est ce point qu'on appelle Haqqa Muhammadiyah. Il est aussi appelé l'intellect suprême. Il est aussi appelé le Kalam, le Nour le, le la, la, la lumière qui, dans le non manifesté, le non-être, euh, ce Nour qui permet de voir et d'avoir une connaissance distinctive, analytique. De la multiplicité. C'est le passage du 1 au multiple. Donc, ça serait la première chose créée. Et dans le, ce même chapitre sur la réalité mohammedienne, justement, qui est traduit par un, Michel Chodkiewicz, il traduit un passage de Hakim Tirmidhi, que tu connais bien puisque tu as traduit le Khatem al awliya Et d'ailleurs, c'est dans le Khatem al -Aulia. Il dit Hakim Tirmidhi insiste également sur cette préexistence de Mohammed. Et il dit Le premier être qui fut mentionné par Dieu, ce fut lui. Le premier à apparaître dans la science divine, ce fut lui. Le premier à être voulu par la volonté divine, ce fut lui. Il fut le premier dans les décrets divins, le premier dans la table bien gardée, le premier lors du pacte el-Metak. Et dans Kitab et el Tawassin, el-Halaj, donc le el que, que nombre de, de, de personnes connaissent, il, il parle de cette lumière mohammadienne, el-Halaj, comme étant ce qui est désigné dans le verset de la lumière à la à la le verset de la lumière donc il identifie donc le et le tabernacle à la personne de Mohammed donc le tabernacle et le flambeau contenu à la Nour de Mohammed au nord Mohammed alors ce qui est important c'est de comprendre un que dans l'être Mohammedien il y a cette double nature il et donc, il est tout ce qui symbolise ce point originel. Et Guénon, par exemple, dans son œuvre, va le comparer au point. Donc, le fiat luxe, en quelque le, sorte. Le fiat c'est-à-dire l'endroit qui permet le passage du 1 au multiple et qui va produire tous les attributs divins. Donc, s'il est non, il n'est pas que ça. Donc, c'est le début le, du Big Bang, finalement. Sous un certain aspect, quand on veut le, 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 le transposer dans la notion de la manifestation. Mais là, c'est une manifestation qui va produire les trois plans, en fait, qui est porteur des trois plans. Les trois plans Donc les trois plans, corps âme, esprit. Donc en fait, il ne produit pas qu'une production matérielle. matérielle. Mmh. Il produit toute la manifestation du divin. Et la première production après lui, ce sont les ariens théabita, nous dit Ibn Arabi, c'est-à-dire les essences immuables, c'est-à-dire les principes secondaires, qui sont informels, mais délimités par une fonction. Et en fait, ce sont les attributs divins. Rahman, Rahim, Malik, le Salam, etc., etc. Et ça, c'est quoi Ce ne sont que les attributs de l'esprit. Et en tant que tel, la Haqqa Muhammadiyah est aussi un ruh al-Kulli. C'est l'esprit suprême. C'est la première création total, divine. En fait. L'esprit total. L'esprit total et universel. C'est la première création divine en laquelle se tient toute réalité. Et à ce niveau-là. Il y a une multitude de symboles qui vont pouvoir l'exposer. Il est par exemple le miroir suprême dans lequel le divin se mire et ah, qui donc permet au divin de se manifester, sachant que la volonté divine, quand dans le hadith Khotsi, il dit J'étais un trésor caché. En tant qu'il est caché, c'est parce qu'il est non manifesté. Et là, je renvoie à Guénon, c'est toute la, dim la dimension de, de, du non manifesté. Et au moment où j'ai aimé à être connu, à être manifesté, et là j'ai créé. Par quoi il crée Par cette première création. Il va créer l'esprit total, qui est en lui porteur de toutes les possibilités de manifestation, et c'est lui qui va la manifester, sous différents plans. Le premier plan est celui de ses propres attributs, la lumière, la connaissance, la verticalité, etc., la miséricorde, etc., qui eux-mêmes vont manifester des modalités de connaissance, des modalités de lumière, des modalités de miséricorde, etc. Et là, on va du plus universel au moins universel. Maintenant, là, on est en train de parler de quoi On est en train de parler d'un degré qui est entre l'ontologie et la métaphysique, entre le deuxième et le troisième plan. On est en train de parler d'un degré. Donc en fait, il faut désindividualiser tout ça. Et jusqu'à ce que tu pas on, on ne parle, Hamel, pas, en tant on ne parle humain, pas du prophète en tant qu'être humain là. Là, ce n'est plus en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, il n'est qu'une individualisation historique de ce principe. Comme l'ont été tous les prophètes, et comme tout être réalisé est appelé à l'être. Et donc c'est ce qui expliquerait, puisque je sais que nous avons parmi nos spectateurs ou téléspectateurs aux Facebook spectateurs, euh, des, des amis chrétiens également. Donc c'est ce qui expliquerait aussi que Jésus sur lui la paix dise Je suis l'alpha et l'oméga. Exactement. Quand il dit Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Là, il vient de transcender le temps et il vient de, 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 de s'identifier à ce qu'on appelle le Christ Logos, le Verbe divin. Qui est aussi une autre appellation de l'esprit, de la Haqqa, Mohammadiyah, etc. Le Christ logo, c'est la même réalité, mais elle est valable pour tous les autres prophètes. Et là où, où, où une teinte exclusiviste d'exotérisme peut intervenir et fausser le, ce, cette doctrine importante, c'est au moment où on veut absolument individualiser cette réalité qui est non individuelle et qu'on veut absolument la restreindre à une de ces individualisations. Donc, pour nous, en tant que musulmans, elle est individualisée, elle est manifestée par le prophète Saïdina Muhammad Dans Allah. Euh, le moment du Israël ou le meraj quand il arrive à Jérusalem, et qu'on nous dit qu'il a été imam, jamais al-Anbiya ou al-Mursalin, il a été imam Iman. de l'ensemble des autres prophètes. Mmh. Donc, en fait, il a été leur principe. Et les prophètes derrière lui, ou leur guide, ne sont mmh. que des... Ou principe, dans le mot imam, la racine amama, être devant. Um, umma, um, um c'est le principe. Um ouais, el-kitab, voilà. um el, um el qora, c'est le principe. C'est l'état primordial d'une réalité. Donc au moment où il est imam, il est l'état primordial, l'état principiel et originaire de ce qu'est l'imama en tant que tel. Mais ceux qui sont derrière en tant que prophète le sont dans ce cadre islamique et représentent ses attributs ces manifestations, mais si on se déplaçait de forme traditionnelle et qu'on allait dans le judaïsme, qu'on allait dans le christianisme, dans le taoïsme, le wang par exemple, dans le taoïsme, etc., en fait cette réalité-là, elle est transposable au niveau de tous les prophètes. C'est-à-dire qu'une autre tradition va vous dire que notre prophète est aussi le verbe et l'erreur qui a été faite de la part de nos frères chrétiens, mais qui est faite en islam aussi, c'est de dire, ah, bah, vous voyez, le Christ est le seul, le Fils unique de Dieu. En tant que Fils, on entend la manifestation, le, etc., unique. Et c'est le mot unique qui, dans la manifestation, pose problème. C'est que chacun va être unique par rapport à sa forme traditionnelle, mais aucun d'eux n'est unique, unique en tant qu'être humain. Le seul qui est unique, c'est le plan du Verbe divin et de l'esprit informel et éternel. Au niveau de sa manifestation corporelle, il n'est qu'une image historique de cette réalité. Et ça, c'est valable à tous les niveaux. Quand on prend les centres spirituels, la notion de centre, par exemple, elle doit nous renvoyer à ce centre suprême aussi, qui est ce lieu mohammadien, qui est cet isthme, ce barzakh, ce, ce lieu. Intermédiaire entre le divin et l'humain, puisque cette fonction est celle justement d'être le médiateur entre le divin et l'humain, le un et le multiple. Et quand on va dans le taoïsme et qu'on regarde ce qui est dit du Wang, c'est exactement ce qui est dit de la réalité mohammedienne en islam. Donc au moment où chacun d'eux se manifeste, il n'est qu'une manifestation. Il, Donc, plus, il ne peut pas, pas être unique on peut quand même dire que la particularité de Mohamed c'est d'être la dernière manifestation de cette lumière en, en oui. tant que guide oui tout à fait ou pas. Et en tant qu'il est la dernière manifestation en, ayant un rôle législateur hein, Ibn oui. Arabi insiste oui, dessus sur la doctrine de la Walaya c'est la dernière manifestation prophétique du verbe de la Haqqa mohammadia porteuse d'une législation. Donc, après lui, il y a les porteurs de cette station de la Haqqa mohammadia mais qui n'amèneront pas de législation. Ils viendront clarifier cette législation, ils viendront la restaurer, lui redonner sa primordialité, mais elle ne changera pas dans sa lettre. Alors, Là encore une fois, ce qui est important, c'est de comprendre que le prophète, quand il vient en tant que khatm, le sceau des prophètes, en fait, il vient sceller, c'est-à-dire, il vient rappeler que tous ceux qui sont venus avant lui ont amené exactement la même chose que lui. Le verset nous dit, le verset coranique nous dit Tout ce que nous t'avons dit, c'est ce que nous avons dit à tous les, les missionnaires, les, les envoyés qui sont venus avant toi. Donc en fait, il ne vient que rappeler un message qui, pour être primordial et universel, est nécessairement immuable. Donc le même. Là, nous n'établissons aucune différence entre ces prophètes. Pourquoi Parce qu'ils amènent exactement la même chose. Là où on peut établir une différence. C'est dans la modalité, c'est par rapport à la mentalité de l'époque, par rapport à des conditions de lieu, d'époque, mais pas dans le fond. Le fond, les soufis disent a wa ouahidon. Donc la science de l'unité est une. est unique. Et justement, Ibn Arabi, il parle beaucoup de cette création de... de, de de la Nour Mohammadi en fait et notamment dans le chapitre 6 des Futuhat qui nous est traduit en partie donc par Michel Chotkevitz. il nous dit donc sur le, la, la notion donc sur la connaissance du début de la création spirituelle il mentionne sous ce titre les questions qui vont être traitées donc dans ce chapitre 6 des Futuhat qui fut le premier existentiel À partir de quoi il fut existentiel Où fut-il existentiel Selon quel modèle Quel est son but Donc, ceux qui veulent des détails dans le chapitre 6, et une petite partie donc qui est traduite Le début de la création, répond le Cheikh Al-Akbar, ce fut Al-Haba, la poussière primordiale. Terme équivalent chez lui à la hayula, la materia prima, dans le langage des philosophes. Et la première chose existentielle dans Al-Haba, ce fut la haqiqa Muhammadiyya Rahmaniyya, la réalité muhammadienne pro procédant du nom divin Ar-Rahman, le tout miséricordieux ou le rayonnement <coughs> d'amour, selon la traduction de, de Maurice Gloton, qu'aucun espace n'enfermait en raison de son illimitation. Allah s'épiphanisa par sa lumière à cette poussière, que les gens de la pensée spéculative appellent la matière première universelle, et dans laquelle l'univers entier se trouvait en puissance. Et chacune des choses qui étaient dans cette poussière reçut de cette lumière à la mesure de sa capacité et de sa prédisposition. De même que les angles d'une pièce reçoivent la lumière du flambeau, la recueillent et en sont illuminés d'autant plus fort qu'ils sont plus proches du flambeau. Dieu dit en effet le symbole de sa lumière est comme une niche dans laquelle se trouve un flambeau, comparant ainsi sa lumière à un flambeau, or il n'y avait rien dans la poussière qui fût plus proche de la lumière et plus disposé à la recevoir que la réalité al muhammadiyya qu'on appelle aussi l'intellect justement. Il est donc Muhammad sallam, le chef de l'univers dans sa totalité, le premier être à apparaître à l'existence et l'univers procède de son épiphanie et ça, c'est intéressant parce que même dans, le, dans des chants parfois qui semblaient populaires, on, cette notion a été transmise. Elle a été conservée. Oui. Donc je, je sais qu'il y a des chants que, que les grands-mères chantaient euh, le Mohammed, la Bhar, la Widen, la Shams, la qamar la Bhar, la Widen. S'il n'y avait pas Mohammed, il n'y aurait pas eu de soleil. De lune, ni de, lune ni de, de mer, de mer de lune. ni de fleuve. Mm -hmm. C'est. Oui. que sans lui, la manifestation ne se produit pas. Puisqu'en fait, il en est l'origine et l'accomplissement. Il en est la matière première. Et il en est le pouvoir du Kun, le pouvoir créateur, qui va lui donner forme. Le pouvoir du Kun, Kun, Fayakun, faya faya se trouve aussi dans la Telmuntaha. Puisque c'est là qu'une chose passe de son état non manifesté. À son état manifesté. Et donc, il passe par cette Haqqa Muhammadiyah. Le koun, c'est nun Faya Kun, Kef, Waou, Nun. Est apparu le Waou. Or, que dit le Sheikh Al-Akbar Il dit le Waou qui est apparu, c'est la volonté divine. Puisque quand Allah veut quelque chose, Fa'ida arada quand il veut quelque chose, il va manifester cette volonté. Et cette volonté, s'est manifestée et symboliquement, dans le waouh ». le waouh » à sa nature est une nature conjonctive oui, puisqu'il veut dire et c'est la conjonction de coordination or la notion de conjonction c'est ce deuxième plan c'est celui qui est l'isme entre le divin et l'humain et qui va permettre de ce qui est dans le divin de se manifester dans l'humain et donc que dit le cheikh al akbar il dit c'est toi homme il dit pas c'est toi mohammed uniquement c'est toi homme donc, en réalité, ce sur quoi je veux insister, c'est que, en tant qu'il est modèle, Sayyidina Muhammad, il n'est pas l'unique. Nous sommes tous destinés à être Haqqa Muhammadiyah. Guénon, dans un de ses poèmes qui n'a jamais été édité, Afikoum, dit Je suis tellement proche et j'aime tellement la Nour Muhammadiyah que le jour de la résurrection. Allah ne pourra pas distinguer entre moi et lui, nous sommes devenus un. Parce qu'il s'est rempli de la présence mohammadienne. Pourquoi Parce qu'il a compris qu'il était esprit. Or l'esprit, il est déjà insufflé en nous depuis le début. Nous sommes déjà porteurs de cet esprit. Donc toute voie initiatique consiste à prendre conscience que nous sommes déjà cet homme universel et cette Haqqa Muhammadia, Et qui maintenant, il faut l'assumer. Et l'assumer en acte, c'est l'assumer comme l'a assumé le modèle parfait qu'est Sayyidina Mohammed, et donc de vivre comme lui, de penser comme lui, d'agir comme lui. C'est à ce moment-là que l'on se part de lui. Comme tu disais, wa Wa veut dire. Donc un verset du Coran qui dit sachez qu'est en vous l'envoyé le, de Dieu. Que l'envoyé de Dieu se trouve en vous. Or là, l'envoyé de Dieu, en tant que c'est l'être missionné et le dimension. Ce n'est pas l'être humain, effectivement, parce que l'être humain, ce il est, est l'homme ordinaire. Ce n'est pas l'homme ordinaire. Mmh. Mais c'est quand même l'être humain, puisqu'il oui. en est le réceptacle, il est porteur. Maintenant, un grand... la différence, c'est. L'homme ordinaire qui n'en est pas conscient et l'initié, le réalisé, qui lui en est conscient. Le corps est le même, mais ce qu'il contient est différent. Donc en soi, on a deux en un. C'est-à-dire qu'on a l'humain. Et là, le prophète en tant qu'humain dans le Coran, il va être rappelé. Oh, attention à ceci, attention à cela. Si nous ne t'avions pas assisté, tu aurais prêté oreille au mouchalikin. Si nous ne t'avions pas éclairé, tu aurais ceci, tu aurais cela, etc. Quand il dit La adari ma wa bikum dans le Coran, je ne sais pas ce qu'Allah va faire de moi comme de vous. Il parle en tant qu'être humain. Et de l'autre côté, il est prophète, donc il est Mohammed ibn Abdillah et il est Mohammed Rasulallah. Il est les deux en même temps. Ce qui fait que des on fois, on lui pose Dieu. une question. Il donne une réponse en tant que Mohammed ibn Abdillah, en tant qu'humain et hop le Coran descend et le corrige et de la même bouche va sortir la correction en disant je me suis trompé voilà en réalité quelle est la vraie réponse c'est ça, ça, ça et ça les compagnons quand ils venaient le voir par exemple et que le prophète prenait une décision ils lui demandaient sallallahu alayhi wa ils lui demandaient ya est-ce que c'est un avis personnel qui t'est personnel ou est-ce que c'est une révélation et à ce moment là on n'en parle pas, on ne discute pas eh bien, quand ils disaient que c'était une révélation, ce n'était pas remis en cause, c'était comme ça. Que ça plaise ou pas, c'était comme ça. Par contre, quand c'était un avis personnel, ils disaient, non, c'est un avis personnel, c'est ce que je pense des choses. Et là, les compagnons lui demandaient, est-ce que tu nous permets un avis Il leur disait oui, il donnait des avis. Et combien de fois il lui arrivait de dire, ah, ton avis est plus judicieux, tu as raison, on, on va faire selon ton avis. Et il faisait passer l'avis d'un compagnon avant le sien. Parce que sur ce plan-là, en tant qu'humain, il avait aussi les limites de l'humain. Il y a un très bon livre de l'imam Razi sur l'Aïsma, c'est-à-dire la protection ou l'impeccabilité des prophètes, où il recense tous les avis des savants, et où, effectivement, dans cette dichotomie des deux natures, il y a l'homme avec la, les, les, les limites humaines qui sont les siennes. Quand on lui jette un caillou et que ça tape sa bouche, ça coupe sa lèvre et ça casse une dent et ça rebondit pas il s'évanouit c'est un humain qui subit les lois du plan humain or dans notre création nous avons aussi les trois plans nous avons le corps l'âme et l'esprit le corps subit les lois du monde des corps mais il n'était pas qu'un corps puisque dans le verset qui dit inni basharun mithloukoum » et rajouté derrière yuha ilayha anna ilahukum ila un wahid mais il m'a été révélé donc donné la connaissance spirituelle directe intuitive que votre seigneur est un c'est-à-dire qu'il a compris et saisi quelle était la nature de l'existence universelle et la nature divine ce qui n'est pas le cas de tous les hommes et autant il est basha un mithlukum il est un être humain comme vous yam fi il va au marché, il a des épouses, il mange, il dort, etc. etc. Ça reste un être humain. Il va aux latrines, il a mal aux dents, il a mal au dos, euh, il a des cheveux qu'on blanchit, il subit le loa, la loi du corps dans l'état humain. Mais en dehors de ça, il a aussi cet état d'esprit pur qui fait qu'il est un être tout à fait exceptionnel. Il y a dans des qasidas du soufisme, on a justement... Euh, J'aurais aimé m'en rappeler. Il est un homme comme les hommes, mais en fait, il n'est pas comme les autres hommes. De telle façon que les yaourts, la pierre précieuse, est bien un minéral, mais elle n'est pas comme tous les autres minéraux. Donc, Mohamed Bachar, c'est un être humain, mais il n'est pas comme les êtres humains. Mais il est comme un, il une, une agate euh, au milieu des pierres, en fait. Et alors que les gens sont comme des pierres. Comme des Donc il reflète la lumière. On revient là. Oui. La, la, la pierre euh, précieuse, sa, sa différence avec les autres pierres, c'est que elle, elle est translucide et elle laisse passer la lumière. Oui, tout à fait. Donc on revient toujours à cette nôtre, ah, en fait. Cette nôtre, mais pas que. En fait, c'est toujours ces attributs multiples. Parce qu'il ne faut pas le limiter à un attribut. Par exemple, il y a un verset coranique qui est très important et qui nous donne des indications sur la haqqa Quand il nous est dit par exemple, « Wa illa rahmatan Le, le, le verset-là, il est important. « Et nous ne t'avons envoyé que comme un rayonnement d'amour pour les univers. » Comme miséricorde. Ou comme miséricorde. « Rahmatan alamin. Or, c'est le mot « alamin qui pose question. Puisqu'il soit envoyé comme miséricorde. Ça, on le sait. On peut le comprendre. Pour son époque, les gens qui l'ont côtoyé, l'enseignement qu'il a donné, on peut le comprendre. Pour ceux qui sont venus après lui, parce qu'ils ont eu le Coran, la Sunna, les maîtres qui vont l'expliquer, ils la reçoivent. Mm -hmm. Mais l'Ilah al-Amin transcende tous les cadres. Donc, comment est-il une miséricorde pour ceux qui, qui étaient avant parce qu'au moment où... Il, dit, en fait, dire... il est pour tous les plans d'existence, en fait. Il est pour tous les plans d'existence, et il est pour tous les champs spatieux temporels. Donc il l'a été pour tous les, les, les lieux de la planète, il l'a été également pour les gens qui sont venus temporellement avant lui. Or comment est-il une miséricorde pour les gens qui sont venus avant lui Ce n'est plus en tant qu'être humain, c'est en tant qu'esprit qui, à travers les autres prophètes, ont manifesté exactement la même vérité. Et là, il va s'identifier non plus à son historicité en disant ⁇ je suis une miséricorde pour vous ⁇ mais en tant qu'esprit et pur esprit en tant que je suis, en tant qu'être missionné, je ne suis pas réduit à mon historicité et à ma corporalité, ma corporalité, je suis Youssouf. Je suis Moïse, je suis le Christ, je suis Noé, je suis Adam. Donc là, ça nous ramène à la tout. notion de Insan el Kamil aussi. Insane el Kamil. Donc, l'homme parfait. Et, et, et donc, là-dessus, justement, il y a un petit passage des, des Foussous, si, si tu permets. C'est dit. Euh, donc, une autre notion complémentaire, nous dit de celle de la Haqqiqa Muhammadiyah doit être mentionnée. C'est celle de Insan el Kamil, l'homme parfait. Et là, Sheikh Moheddin nous dit C'est par lui que Dieu regarde ses créatures et leur dispense sa miséricorde dont tu parlais, mmh. car il est l'homme adventice et pourtant sans commencement. Donc effectivement, on ne parle pas d'un homme de chair, éphémère et pourtant éternel à jamais. Il est aussi la parole qui sépare et unit. C'est en vertu de son existence que le monde subsiste. Il est au monde ce que le chaton d'un sceau est à ce sceau, c'est-à-dire le lieu où l'empreinte est gravée. Le signe par lequel le roi scelle ses trésors. Il a été nommé Khalifa, lieutenant vicaire substitut, en raison de cela, car c'est par lui que Dieu préserve sa création, de même que le, par le, sceau, que le roi préserve le, ses trésors par le sceau. Aussi longtemps que le sceau du roi demeure intact, nul n'oserait ouvrir les trésors sans sa permission. L'homme, avec un grand H, a donc été chargé de garder le royaume et le monde sera préservé aussi longtemps qu'il subsistera l'homme parfait. Or cet homme parfait est un principe qui peut se manifester dans la forme et qui se manifeste régulièrement au cours de la manifestation. Quand un des porteurs de cet état de réalisation, et là on, on désincarne, on désindividualise, on parle d'une euh, station spirituelle, on parle... D'un état, d'un lieu spirituel, d'un instant spirituel, mais qui n'est pas créé comme le point en physique n'a pas de dimension et comme l'instant n'a pas de mesure temporelle. Donc, c'est un hors-temps dans le temps. C'est une réalité informelle dans la forme. Moi, je me souviens par exemple, tu vois, d'un chir une fois qui recevait deux jeunes qui étaient venus de la région parisienne et qui étaient à l'image de ce que j'étais aussi à cette époque-là, les enfants de cité, et qui, dans ce, ce, ce parcours intérieur, ce, ce questionnement intérieur, vont en arriver à lire quelques livres, à, à se renseigner, à découvrir le soufisme, à découvrir certaines choses, et ils se, il se disent, tiens, on va accentuer notre recherche sur l'islam. Et ils sont partis euh, au Maghreb, dans, dans un pays maghrébin, ils ont rencontré un chir dont ils ont eu des échos, etc. Et ils lui ont un peu raconté leur vie. Et là, le chir leur dit le fait d'avoir compris ça, le fait d'avoir trouvé ces livres, le fait d'avoir trouvé un lieu en terre d'islam où vous pouvez recevoir une initiation, toute cette protection qui vous était donnée depuis votre jeunesse, c'était déjà moi. C'est le chir qui leur dit ça. Le chir qui leur dit ça. Mais en tant que tel, en réalité, le chiffre, au moment où il dit ça, ce n'est plus en tant qu'être humain. Parce que lui-même s'est identifié à la réalité. Il est esprit. C'est-à-dire que l'esprit est un, ses supports sont multiples. C'est que ceux qui, là-bas, dans votre cité en France, vous ont prêté un premier bouquin, ou vous ont aidé, ou vous ont donné des indications d'une zaouïa, ou vous ont donné, etc. Ils n'ont été le réceptacle que du même esprit qui m'habite moi. Donc, au-delà de la forme, ce n'est pas moi, mon individualité, qui fait quelque chose pour vous. De la même manière qu'un maître spirituel, au moment où il guide un disciple, ce n'est plus en tant qu'individu, c'est en tant qu'il est porteur de l'esprit. Il ne fait que ce soit sur le plan doctrinal ou sur le plan méthodique, il ne fait qu'appliquer ce que le prophète a demandé d'appliquer. Dans une silsila, qu'est-ce qui coule il coule Sayyidina Mohamed de Chir en Chir, de Chir en Chir. Donc le roi Muhammadi, Le roi Muhammadi qui va passer à travers ces formes. Et on va trouver de très nombreux exemples. Chibli par exemple, ou Chir el-Jabarti, euh, qui était le maître d'Ismaël Haqqi, etc. Qui, euh, qui va demander à son disciple, « Fashhad bi'anna inniha rasulullah Témoigne que je suis l'envoyé d'Allah. »« Je ne suis pas le même corps que celui qui a porté cette rissa là. » Mais ce que je véhicule est exactement la même chose. Or, ce que tu reçois là n'est rien d'autre que ce qu'a emmené l'esprit mohammedien. Donc, je n'ai plus d'individualité. Je suis une fonction. Mais c'est quelque chose qui peut être difficile à comprendre pour nombre de personnes. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut tout un parcours initiatif. Et même les le chers n'en parlent pas extérieurement, en règle générale. Tout de... à fait, parce que ça pourrait être mal compris. Et à partir de là, bien sûr qu'ils prennent des précautions et qu'il y a, et, et ça c'est une même règle a... même du soufisme, il y a beaucoup de choses qui ne se disent ni ne se montrent en public. Il y a un adage qui dit là où zamen, là où makan, là où rijel. le zikr qui n'est pas simplement le fait de répéter des litanies, mais c'est surtout le fait de se le souvenir bon d'Allah et que ce soit bon à endroit. travers un point doctrinal, un échange comme on fait. Là, ce qu'on fait, c'est un et Eh bien, les gens étaient très, très clairs. Dès le prophète, il y a certains zikrs qui étaient faits dans des cellules fermées, dans des endroits réservés, à des moments précis et avec des gens précis. Euh, le shirj al-Jabarti, par exemple, raconte euh, qu'un que, que jour, il était dans un cercle et il était en train d'enseigner, d'expliquer les futuhas al à des disciples. Puis tout d'un coup, la porte s'ouvre, quelqu'un rentre qui ne fait pas partie des initiés autorisés à recevoir cet enseignement. Qu'est-ce qu'il fait il, il explique, il ferme le livre et il le met sous son balnose de manière à ce qu'il ne soit pas visible. Et il a arrêté l'enseignement là. Bien sûr que ça ne doit pas être dit euh, n'importe où, n'importe comment. Après, encore une fois, là-dessus, Guénon est très clair, il dit au moment où l'on dit et l'on manifeste quelque chose en fonction des époques également cela peut toujours avoir une raison car la doctrine se protégera par elle-même et ceux qui ne sont pas aptes à comprendre ce que l'on est en train de dire vont soit nous critiquer soit ne pas comprendre soit ne pas en tenir compte et s'occuper d'autre chose mais en tout cas la doctrine comme le centre comme Allah, se protège par lui-même donc il est aujourd'hui nécessaire de dire certaines choses qui sont des points doctrinaux importants, qui ont pu faire beaucoup de mal puisque le prophète n'a pas toujours été bien perçu. Je reprends par exemple, je te donne un exemple, mm -hmm. on en parlait au téléphone l'autre fois. Quand on regarde le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alayhi wa sallam. il est l'image du divin, l'image du divin. La shahada, on a la ilaha illallah, qui se répartit en trois plans aussi. La ilaha, est-ce qu'on peut dire l'image du divin d'ailleurs oui, dans, dans le sens où il en est le reflet dans la création. Ah, le reflet. Donc, il en est le reflet. L'image, c'est un reflet. Alors, il est, la, la fo... il est le divin dans la forme. Et le divin est « la ilaha », qui est la négation des idoles, « illa », qui est l'exception, et « allah », qui est la seule et unique réalité. Donc, en fait, on a les trois plans. « la ilaha »,« illa »,« allah ». Eh bien, dans le reflet de la création, on a Mohammed, Rasul, Allah. Et les deux ont douze lettres. Et chacun est un reflet de l'autre. Jusqu'à leur nom. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un, un reflet du divin au niveau où il, il manifeste les qualités divines en lui Il manifeste les trois plans. Les trois plans, c'est ce qu'on retrouve dans l'histoire de Sénat Youssouf. Quand il dit par exemple, les étoiles, la lune, onze étoiles, la lune et le soleil se sont prosternés devant moi. Ce sont les trois plans qui se prosternent devant lui. Lui, il est le plan qui les englobe tous. Il est la tradition vivante. Et donc là, à ce moment-là, il est l'esprit totalisateur. Quand on voit par exemple que Sénat Youssouf, quand il est en Égypte, que ses frères reviennent, il va les pardonner. Et le verset... Le, le, les termes qu'il a utilisés pour les pardonner, est devenu un verset. Et quand le prophète au fat va reprendre la Mecque, et que les Quraïj vont se présenter devant lui, il va à nouveau faire preuve de cette même Rahma, et il va reprononcer les paroles de Sayyidina youssouf à l'égard de ses frères. Où est la différence entre Sayyidina mohammed et Sayyidina youssouf ici Il n'y en a pas. C'est un même acte. Les endroits sont différents, les époques sont différentes, mais les, les, les actes sont les mêmes. C'est que le 1 réintègre la multiplicité en lui par miséricorde. Et chaque élément de la, misé, de, de la multiplicité trouve sa place dans le 1. Et Mohammed, à ce moment-là, a le, le, le même acte que Sidna Youssouf. Donc l'un et l'autre ici ne sont différenciés que par la langue, le, le lieu, les personnes, l'époque. Mais pas par la réalité. Donc la là, réalité tu, tu, tu veux nous dire que, en fait, l'être humain, même, euh, finalement, à travers ses enseignements, est bien autre chose qu'un corps. Eh oui. Et c'est à ça qu'il doit aller. Euh, qui, c'est à la recherche de, de l'esprit qui est en lui qui doit s'atteler au cours de sa vie. Mais, finalement. Toute la question, finalement, de l'initiation, c'est quoi C'est pour ça qu'on dit connais-toi-même, toi toi-même finalement. Qui es-tu Qui es-tu Ramana Marché. Et la question qu'il posait le plus à ses disciples, c'est Qui es-tu Mahamondamoui, cette grande sainte indienne, disait Le temps de cette vie est court, donc ne perds pas de temps et utilise chaque instant où tu, où tu en as la, la disponibilité à pouvoir répondre à la question Qui suis-je Qui es-tu et... et pour ça je donnerai une indication qui est une sagesse d'un autre grand initié moins connu qui est Shakespeare. Et cette question, elle est très importante. C'est to ou be or not to être be. Être ou ne pas être. Sache que quand tu comprends réellement qui tu es, la question c'est tu es ou tu n'es pas. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas question. deux, il n'y a qu'un. Soit tu es tout, soit tu es rien. Donc, Mohamed Al ça doit être toi. C'est toi qui es humain. C'est toi qui es le miroir du divin. C'est en toi. Que doivent se manifester. Mais on ne peut pas dire qu'on peut atteindre cet état-là comme ça. On ne peut, peut pas dire que c'est toi. C'est toi si tu atteins un certain état de perfection. Alors encore, je, de, renvoie, de perfection. je renvoie au Coran, qu'est-ce qu'il nous dit voilà Là, il, il va à nouveau revenir sur les trois plans et on a le verset de la salat al-waqira que l'on reprenait tout à l'heure quand il parle des deux premiers plans, il dit on des deux les premiers, les premiers plans islamimènes, il y en aura beaucoup. Il n'y en aura que très très peu. Les gens qui atteindront réellement, dès cette vie, la délivrance et l'identité la, la, suprême, comme le dit Guénon, de l'homme et son devenir selon le Vedanta, ceux qui l'atteindront seront toujours que très 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 peu. Donc en quoi le, le prophète lumineux ou le pro, la réalité mohammadienne euh, peut nous... Comment, le, comment la réaliser dans cette vie finalement Toute la voie de l'initiation. Donc euh, l'initiation en Islam, c'est le tasawuf. C'est le tasawuf en Islam. Le mot tasawuf d'ailleurs veut, veut de par sa racine qui peut être multiple. C'est la voie soufi. C'est la voie soufi. Donc c'est la voie de l'initiation. C'est la voie de l'initiation. C'est celle des gens qui ont compris que le Coran nous appelle au troisième plan. يأمر بالعدل والإحسان، ان الله يحب المحسنين يدعوكم الى دار السلام وإنك لتهدي الى صراط المستقيم Le سرات المستقيم c'est le troisième plan quand on الفاتحه On اهدنا صِرَاطَ سرات المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين On a les trois plans on a ceux de الإحسن, qui est le المستقيم ceux qui ont la عليهم la <mulanna> Il y a ensuite, el radab, ceux qui encourent la colère de Dieu et qui sont à l'inverse. Et on a, voilà, Dalim, qui est le deuxième plan, où ils sont un peu perdus entre les deux. Ils sont un coup attirés vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers l'horizontale, un coup vers la verticale. Mais en tout cas, Allah, dans cette Surat al-Fatiha, qui est Umm al-Kitab, on y retrouve quoi Les trois plans. Et il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit Eh, Ehdina serat. Si tu me demandes quelque chose. Demande-moi de te guider sur au troisième plan, pour arriver au troisième plan. Ne me demande pas le premier plan qui est celui de la colère divine, ni le deuxième plan où les gens sont perdus et égarés. Donc il nous dit si tu dois inspirer à quelque chose, c'est au troisième plan, ni au premier ni au deuxième. Et, et de la doctrine de l'amour dans tout ça Puisque le prophète, comme tu l'as dit, comme le dit le Coran, et donc le mot rahma, il y a, on traduit souvent par miséricorde, mais il y a quand même une notion d'amour, très, de rayonnement d'amour, puisque la miséricorde oui, elle-même, c'est un rayonnement d'amour divin. Donc, que, quelle place a-t-elle dans le cheminement Bah C'est la clé du cheminement. C'est la clé du cheminement. D'ailleurs, oui, il y avait quelque chose. sīrul mahabbat donc, la, le secret de, de l'arrivée au but, la c'est l'amour ou de la réalisation, c'est l'amour de l'envoyer. Donc, il y a une question d'amour. En fait. C'est toute la clé centrale. Ça, très... Pourquoi Parce qu'on retrouve encore cette notion du Sidrat el Muntaha, donc ce, ce point qui est celui du Kun qui est aussi celui. Voilà. Et là, je renvoie à Guénon. Euh, la grande triade, où en fait où il ne parle que de ce point-là. D'ailleurs, euh, tu, tu fais bien de me parler du Koun, puisque ça, la doctrine de l'amour est contenue dans, dans le fameux deuxième Koun, euh, où le Waouh apparaît, puisque le, le Waouh est non seulement la conjonction de coordination, c'est ce qui lie les êtres, ce qu mais c'est aussi la première lettre du nom El Wadoud. De celui qui aime. Ouais. Donc, c'est comme un, un symbole de l'amour divin qui existentie l'univers. Donc, c'est Tout par toute fait. chose. Et on voit très bien, en plus, dans le symbolisme du waouh, on voit très bien que c'est une spirale qui se développe à partir d'un point, en quelque sorte. Tout à fait. De, Tout à fait. Donc, Et cette notion d'amour, elle est, en quelque sorte, concentrée dans ce waouh wow du koun Dans le Ilm al dans la science des lettres, par exemple, encore là, on, on a trois plans. C'est que ce qu'on appelle les, le marlège, c'est-à-dire le point d'inflexion qui produit une lettre, c'est qu'il y a un souffle qui vient d'ici, qui monte. Ce qui produit une lettre, c'est où on va le pincer ce souffle pour produire une lettre. Et on a la lettre la plus intérieure, c'est le ha. Mm -hmm. Et là, on a le premier plan qui est celui de la poitrine. On a le deuxième plan qui est celui de la gorge et le troisième qui est celui de la bouche. On retrouve les trois plans. Et eh bien, la lettre la plus extérieure, c'est le waou. Wow. Wow. D'ailleurs, même les gens disent waou quand ils sont contents. <laughs> Donc, dans le nom huwa », on a le ha de l'essence et le waou de sa manifestation. Donc, ce qui est le plus intérieur, le, est ce qui est le plus manifesté finalement. Le ha est le waou qui s'extériorise. Allah est un. D'ailleurs, ils se ressemblent, le ha et le waou. On voit qu'il y a un waou dans le ha pratiquement. Oui. La façon le, de l'écrire, de la graphie ha, même. c'est un déroulement. Le « waouh » est un déroulement du « ha ». Donc, en tant que cet amour, on se souvient du verset qui dit « fa'in kuntum Le prophète va poser une condition pour le suivre sur sa voie. L'amour d'Allah. « kuntum L'amour. Le secret de la voie, c'est l'amour. Dans toutes les étapes, le fil directeur c'est l'amour. Et donc pour revenir à notre sujet finalement, enfin à ce qui nous a donné envie de parler de ce sujet, c'est-à-dire le Maulid, le Maulid c'est une extériorisation, une manifestation de l'amour qu'on a pour le prophète. Alors en réalité c'est la naissance de l'esprit en nous, le Maulid. Le Maulid c'est la naissance, c'est dans la vie d'un être humain, c'est au moment où la conscience que l'esprit est en lui. Donc, c'est pour ça que les soufis, il leur arrive de faire tous les jours un maulid, parfois. Tout à fait. Parce qu'il y a toujours cette conscience renouvelée que nous sommes porteurs du bonheur qu'est le, le prophète en nous. Et donc, quand il naît en nous, il naît sous forme de graine. À la naissance, on a une graine qui est appelée à grandir. Or, la graine en arabe, habba, qui est exactement la même racine que. Alors ça c'est très intéressant parce que là on, on relie la notion d'amour et la notion de lumière. Parce que la graine, pour grandir, elle a besoin d'amour et de lumière finalement. Et, et la lumière ouais. est amour aussi finalement. Tout à fait. Et elle a besoin, dire, on, on, comme on regarde dans la création, elle a besoin de lumière et d'eau. D'ailleurs on serait tous malheureux s'il n'y avait pas de lumière dehors. Vraiment, c'est l'amour divin qui, oui. qui se manifeste à travers le, le soleil et la, la succession des nuits et des jours. Or, cette, cette lumière et cette eau, dans le rapport symbolique, là en l'occurrence, c'est ce qui vont nous permettre de nourrir cette graine en nous. Donc, en soi, Donc, en transposition, c'est qu'est-ce qui va permettre de nourrir cet amour en nous Eh bien, ce, ce sont justement les étapes de la voie et ce sont les épreuves. Or, il est dit que quiconque n'est pas prêt à supporter les souffrances de l'amour ne connaîtra pas l'amour. Car l'amour, si au début il est sous forme de graines, pour qu'il grandisse, qu'il devienne une tige, un arbre, qu'il donne des fruits, ce sont les étapes des de transformation. Et ces étapes se passent dans la douleur, dans la souffrance. Pourquoi Parce que c'est par là qu'elle éprouve notre amour. Tu dis que tu m'aimes. Dans telle épreuve -le. que tu m'aimes encore, prouve-le. Prouve -le. Prouve -le prouve ton amour. Tant que je suis gentil et généreux avec toi, tu, tu dis que je t'aime. Mais si je te mets une épreuve, comme on dit le verset, euh, euh, mm -hmm. c tant qu'Allah lui donne, il dit Akramani, il est généreux, il est gentil. Et On au moment où, où, où il lui donne avec parcimonie, il enlève. Mesure, mm -hmm. il dit Là, Allah ne négligé. Il ne lui enlève pas tout. Oui. Pas. En pas tout. Oh non Parce que c'est même dans l'épreuve qu'il t'aime le plus. C'est là qu'il renforce ton amour c'est là qu'il renforce en toi la présence du prophète c'est là qu'il renforce ce, cette lumière universelle qui permet la manifestation de dieu en toi donc finalement c'est une c'est devenu une nécessité pour les gens qui sont dans le cheminement initiatique de de manifester leur amour du prophète et de manifester cette naissance de l'esprit en eux par le maouït finalement c'est ça aussi le sens symbolique et initiatique du maouït oui aussi mais après il faut le manifester tous les jours comme tu disais oui, peut-être qu que joue. cette de... graine, il faut l'arroser euh, tous les jours. Mais des fois, en, en ayant des assemblées de joie, ça permet aussi, et avec des textes forts aussi, de, de transmettre quelque chose oui, dans tout cette Oui, tout, tout à fait. Et le lien du prophète à la miséricorde, à la rahma, est important, puisque en tant que rahma, il est aussi amour universel. C'est que, par exemple, il euh, y a un verset qui, de mémoire, puisque ma mémoire me joue des, des tours parfois, qui dit. Fabi Fadlilla iwa rahmathi, Fabi Dalika, Fayafaliafrahu, Fadh, Dalika Khairun Mimayajmahun. On m'excuse si j'ai fait une faute. Mais en, le, le verset, il dit Fabifadlilla C'est-à-dire par la pure grâce divine qui est le Fadl, c'est aussi le troisième plan. C'est ce qu'Allah nous rajoute gracieusement de sa part. Et, et bien, dans fassir, les tafasir, commenta les commentateurs, les exégètes disent « wa bi la rahma » c'est Sayyidina Et c'est de ça dont on doit se réjouir. Et là, on, on peut, puisque vu qu'on est dans le Maoulid et qu'on va bientôt laisser la place à, à notre ami Henry Skinami pour nous chanter quelques odes au prophète, est-ce que... Euh, 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 j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire est-ce que cette, euh, cette, ah oui c'est toutes ces, tous ces chants toutes ces louanges au prophète sallam, euh, donc ne sont, sont déjà une forme de prière sur lui donc la oui. prière sur le prophète sallam, quel rôle a-t-elle dans tout ça oui alors, on va, on va revenir dessus. Je, finis, je, je, je reprends un autre verset qui était dans le complément de l'autre, mais qui va dans ce sens-là. Il y a un verset, par exemple, qui dit mm :« Inna rahmati min al-muhsinin ». Là encore, on trouve les muhsinin. Et les muhsinin, ce sont les salihin », ce donc sont les. Ma et donc, la miséricorde des proches de ceux qui, qui sont dans l'excellence. Voilà. Va dire. Donc, quand on, on recherche la miséricorde d'Allah, on recherche les muhsinin, puisque la miséricorde, elle est proche d'eux. Mais cette mise, euh, pourquoi sont-ils salihins Parce que le verset nous dit, « Inna rahmati Or, linguistiquement, bien. grammaticalement, il aurait dû dire, mmh. « mmh. Féminin, féminin, on fait un accord. Or, mmh. on a « Inna rahmati, féminin, « qaribun » accord masculin. Pourquoi parce que la rahma d'Allah c'est Mohammed, et Mohammed s'est manifesté comme homme, donc l'accord il est au masculin. La rahma d'Allah c'est ce verbe divin, c'est ce principe universel qui s'est manifesté à travers les prophètes et notamment Sayyidina Mohammed. Or, qaribun min al-muhsinin, pourquoi sont-ils muhsinin? Parce que qaribun, ils sont proches de la Rahma, ils sont proches de Sayyidina Mohamed. Ils se sont laissés investir de Sayyidina Mohamed. Ils ont laissé toute la place en eux à, à, à la vie de Sayyidina Mohamed. À Donc, cet à amour, qui finalement. Est en eux. À l'amour euh, universel. pas que. Finalement. Le prophète est beaucoup plus que ça. L'amour est un attribut divin, ce n'est pas le seul. C'est comme la lumière, c'est comme. En fait, il est le support de tous ses attributs. De tous ces attributs-là. Et pourquoi ils sont muhsinin Parce qu'eux-mêmes on même, ont fait le travail de ce vide en eux pour laisser place au prophète qui est en eux, la Et c'est parce qu'ils lui ont laissé la place, ils l'ont laissé vivre en eux, qu'ils sont devenus quasiment lui et qu'ils sont aussi porteurs de la Rahma divine. Donc, c'est pour ça qu'en ce monde nous demande de rechercher ces maîtres spirituels qui. Ne sont-elles que parce qu'ils sont proches et éteints dans le prophète, car c'est auprès d'eux qu'on trouve la rahma d'Allah. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser, quand même, quand je médite sur le mot rahma, à, à, la, à, la, à la cardinalité de, de la signification du mot amour, en fait. Est-ce que l'amour véritable, justement, pour, pour, pour pousser un peu plus, est-ce qu'il n'est pas une. Connaissance aussi, parce que, final, est-ce qu'il n'est pas une autre phase de la connaissance Il est complémentaire de la connaissance. On aime ce qu'on connaît, et plus on connaît, plus on aime. Mais encore une fois, je me méfie du mot amour qui est encore galvonné aujourd'hui. Aujourd'hui, on a cautionné l'homosexualité sur l'amour. Ah ben, bah, il s'aime, alors tout est permis. Demain, je vais me marier avec ma girafe, comme je me l'aime, il n'y a pas de problème. C'est plus de l'amour, ça. Ça, c'est plus de l'amour. L'amour ici, il est noble, il est pur, il est spirituel, il est vertical, il est total. Il est, il est sacrifice. On aime au moment où on est capable de mourir pour. Or, On meurt pour la vérité de façon à se faire habiter, à se laisser habiter par le prophète qui est le réceptacle, il est le corps en vivant, il est la vérité. Là, il y a amour. donc là, tu parles de, de la mort spirituelle, bien sûr. Euh... Bien sûr, et je ne parle pas de la sensiblerie. Alors, bien sûr que l'amour a sa répercussions dans les de trois. Disparaître, plans. De disparaître. Nous ne sommes pas des moines, nous avons une vie sexuelle. La sexualité est quelque chose d'extraordinaire, c'est un don divin, et il est l'amour en acte. Donc il a toute sa place dans une spiritualité, mais au moment où il est en correspondance avec un amour interviennent. Je parlais de l'amour avec un grand A. Hein, je l'amour avec un de grand A. Chanel. Guénon est, est clair, mais en fait, il est valable sur tous les plans. Nous sommes les trois plans, nous devons le vivre sur les trois plans. Mais quel que soit le plan, l'amour est toujours extinctif. On s'éteint dans l'autre. Le prophète, il disait là. Euh, layu minu aha Ou, oui. je sois plus aimé il est aimé euh, euh, pour lui que sa propre âme tant qu'il ne m'aimera pas plus qu'il ne s'aime lui-même or au moment où il nous donne où il nous dit tant qu'il ne m'aime pas plus qu'il ne s'aime mais neuf si il est en train de nous dire tant que tu n'aimeras pas ta partie spirituelle plus que ta partie psychique la neuf tu n'es pas réellement croyant. Or, lui, il incarne cette dimension. Or, quel est le rapport que l'on a là au prophète C'est un lien d'amour. Tant que tu ne m'aimeras pas plus que tu ne t'aimes toi-même, c'est un lien d'amour. C'est la clé avant toute chose. Et là, tu me parlais sur la prière sur le prophète. Maintenant, encore une fois, il faut comprendre un aspect par rapport à la révélation, par rapport à ce monde et aux trois plans. C'est que Allah a créé les trois plans. Nous, nous sommes dans ce plan où nous devons les réaliser, les trois. Mais le premier que l'on réalise, c'est notre dimension corporelle. C'est celle qui nous est la plus accessible directement. Allah a mis de son esprit en nous, en tant qu'il a mis son esprit, que l'on dise l'esprit ou le rasoul, ou la lumière, c'est la même chose. Ah donc, le Hakrika Mohammadi, Mohammadi, c'est aussi le Ruh Mohammadi. C'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose. C'est une même réalité sous ses différentes facettes. Il l'a mis en nous. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il nous l'a confié. Eh bien, c'est nous, humains, qu'allons-nous faire de cette réalité divine qui nous est confiée Et c'est ce que l'on va faire de cette réalité divine qui, après la mort, lors du retournement, c'est ce que la réalité divine fera de nous. Ce que l'on fait de Dieu, Dieu le fera pour nous. Or, cette réalité qui est en nous à l'état de habba, à l'état de graine, il nous est demandé de la nourrir, de la protéger, de la faire grandir, de lui céder la place, de l'écouter, de lui faire confiance, etc. Et c'est ça le rôle du maître de La C'est ça. C'est permettre au Nabi qui est en nous, Salat, Sila, c'est être en lien, c'est de le remontrer au Sidrat el Muntaha pour rétablir le lien au divin. Lui, le prophète qui est en nous, l'esprit, il n'aime qu'une chose, Allah. Là, il en est loin, il en est exilé dans le monde des humains. Et il nous demande ramenez-moi à ma patrie qui est le siddarat al-muntaha, qui est cette limite entre le deuxième et le troisième plan, et qui est la porte de Dieu. D'ailleurs, le prophète dit, mmh. « Salat miraj al-mumin » Exactement. La, 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 la salat, la connexion et l'ascension du croyant. Tout à fait. Donc, euh, Donc oui. faites ce miraj. « Élevez-vous et ramenez-moi à ma demeure, que je puisse retrouver le lien direct avec mon Seigneur. » Et au moment où le prophète en nous retrouve ce lien, bah, par là même, nous-mêmes, nous le trouvons aussi. Donc c'est la raison d'être de tous les textes de louange finalement au prophète, puisqu'il est le lieu de la louange aussi. Et là, c'est vrai que... Je... Il y a un point important puisque les gens parfois se posent la question, même si on fait une petite digression, mais on est dans le Maulid, donc c'est important d'en de, parler, euh, on, on se pose la question souvent légalement, est-ce qu'on doit faire le Maulid, est-ce qu'on a droit, etc. Bon, on sait très bien que c'est des discussions sans fin, mais on, on pourrait dire que pour celui euh, qui réfléchit, dans le nom même du prophète, Mohammed, il est le lieu de la louange. Donc forcément on se doit de le louanger, finalement s'il est le lieu de la, de la louange, mmh, hein, bah de, oui. de la louange divine avant tout puisque est, il est le lieu de la satisfaction divine de l'agrément divin auquel on aspire tous tout finalement c'est en cela qu'on est le, principe le prophète le prototype. En, en, extérieurement mais pour le réaliser intérieurement finalement exactement Exactement. C'est pour ça que par exemple il y a un verset dans le Coran qui dit: quand tu les appelles c'est la voix du troisième plan. Puisqu'on le retrouve dans la fatiha, C'est le c'est El-houda, c'est le troisième plan. Donc, lorsque tu les appelles au troisième plan, ça ne les intéresse pas, ils n'écoutent pas. Ils n'entendent pas. Mais ne te pas. Et tu les Et tu vois, vois tu les ils te regarde ne te voit pas. Mais il ne te voit pas. on regarde bien là, oui. on, regarde bien là. Oui. on a la dichotomie des deux aspects qui mais sont oui. compris. Parce qu'il le dire, dire, les il, il voit les gens. Ils voient le corps. il voit il le corps, voilà. Mais il ne voit pas Rasoul. Ça va, Parce que le Rasoul étant ficum à l'intérieur, étant une réalité informelle puisqu'elle est spirituelle, seul l'œil du cœur peut le voir l'œil du visage peut voir une forme mais pas l'esprit donc en fait les compagnons à l'époque étaient face à une épreuve qui était tout aussi difficile que la nôtre aujourd'hui parce que pour voir le prophète ce n'était pas avec cet œil là yeux extérieurs. ni avec son corps que ça changeait quoi que ce soit c'était ceux qui avaient perçu sa nature intérieure euh, qui qui l'ont suivi finalement Eh bien justement puisqu'on a le prophète en nous ce rasoul en nous, c'est comme une faculté. Or, chaque faculté est appelée à pouvoir saisir ce qui est de sa nature. L'odorat perçoit les odeurs, mais ni les sons ni les formes. L'œil va percevoir les formes, les couleurs. L'ouïe va percevoir les sons, les bruits. Mais non pas les odeurs ou euh, le goût, ou, etc. Chaque faculté... A la capacité de saisir ce qui relève de sa nature. Or, en nous, êtres humains, ce qui peut percevoir l'esprit dans la forme à travers un prophète, par exemple, ou un humain, ou etc., et qui peut percevoir le royaume divin, c'est ce qui est en nous, est esprit. Donc, c'est le prophète qui est en nous, qui peut passer le Sidra tel Muntaha, qui peut passer la porte de Dieu. C'est lui qui peut percevoir le divin et qui peut sentir et connaître le divin. C'est lui qui, lorsque des paroles sortent, les paroles relèvent de la dialectique, de la rhétorique. Or, elles peuvent être une spéculation métaphysique, comme elles peuvent être une spéculation philosophique ou même imbécile, et être n'importe quoi. Or, qui va être capable de reconnaître une vérité d'ordre métaphysique et spirituel Celui dont l'esprit est vivant et qui va comprendre que là, il y a quelque chose qui vient d'en haut. Mais les paroles ne restent que des paroles. C'est l'alphabet A, B, C, D, E, F, G. C'est des cordes vocales. C'est une Mais vision intérieure. Quel finalement. en est le contenu Quelle en est l'importance Quelle en est la portée Quelle en est la faculté de provoquer en moi une prise de conscience c'est là que le, tout réside. Et c'était le rôle, notamment, des Amdah Nabawiyah, justement, en parlant du prophète, en chantant, en louant le prophète. Ça servait aussi euh, en des paroles simples. Euh, à faire prendre conscience de certaines réalités à ceux qui écoutaient c'est pour ça qu'on appelle ça le samar le fait d'écouter l'audition spirituelle et donc il y a ce petit texte je euh, oui, te laisse lire le texte pour Mais passer la parole jusque à... dans les réunions, ah, des... le samar donc, oui. ça s'appelle aussi, hadra. aussi. Alors, la hadra c'est l'état de présence. de présence si tu es présent, tu comprendras qui est présent et le lien se fera si tu n'es pas présent, tu ne capteras pas la présence on appelle ça aussi l'imara. Racine amara, remplir. Remplir. C'est le moment où tu te remplis de la présence divine. Donc, bien sûr que c'est nécessaire. Bien, bien sûr. sûr. Et donc, euh, là, notre ami Jean-Louis Michon, un, un livre que peu de gens, ouais, je pense, pense connaissent. Allah, 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 Allah. Allah Donc, s'appelle Lumière d'Islam. Euh, aux éditions Arche et Didit. Euh, donc euh, Lumière d'Islam de Jean-Louis Michon. C'est un livre très 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 complet. Je pense que j'ai rarement vu un livre aussi complet en réalité, euh, qui passe en revue tous les aspects de, de l'islam vraiment puisqu'il parle aussi bien de la cité musulmane ses bases institutionnelles les sources les piliers de l'islam les fonctions de la cité euh, que ce soit au niveau politique ou autre le message de l'art islamique le langage formel la psalmodie l'art figuratif ou pas euh, l'art le, comme instrument de remémorisation le, le dicre etc la calligraphie l'esprit géométrique l'art dans la cité donc les sanctuaires euh, euh, l'eau euh, le rôle de la musique des, de la spiritualité en islam, donc les instruments, les modes médiodiques, les rythmes, la voix humaine. Euh, et il parle effectivement des louanges, donc sur le prophète, de la musique euh, des kawali, la musique kurde, l'audition spirituelle classique, la musique arabo-andalouse, la musique iranienne, la voix des soufis, l'initiation, le maître spirituel, la bonne compagnie. Donc, vraiment un livre très très complet. Euh, qui est très rare, qui est, hélas je pense qu'il est un petit peu euh, onéreux, mais il est vraiment euh, un des livres les plus complets mmh. si on veut se faire une idée de, bah, en général, des lumières d'islam. Arqué, c'est toujours onéreux. Euh, toujours onéreux et toujours de qualité surtout. Mmh. Et donc là il nous dit, donc Jean-Louis Michon, sur les louanges sur le prophète, Amdah Nabawoyah, la seconde grande source de sagesse après le Coran est le prophète Mohammed dont les enseignements transmis dans les recueils du hadith et les comportements relatés dans la Sira forment la coutume prophétique donc la Sunna. Donc si la psalmodie coranique a pu donner lieu à différentes formes de récitations modulées, la personne du prophète quant à elle a suscité une grande richesse de compositions littéraires et de chants dévotionnels. L'importance de ces litanies est liée en mystique musulmane à la doctrine de l'homme parfait, el insan El-Kamil, car Mohammed, s'il est homme, n'est pas un homme comme les autres. Il est, selon un dicton soufi, comme un diamant parmi les pierres. On l'appelle aussi le meilleur des êtres créés, ou le prototype évident, entendant par là qu'il est un résumé de la création entière, un modèle universel. Donc prier sur le prophète, c'est donc prier pour le salut de tous les êtres et c'est aussi prier pour retrouver sa propre nature primordiale. Prier pour sa propre délivrance, aussi les séances mystiques s'ouvrent-elles invariablement par les, des louanges sur le prophète, que ce soit dans les Zaouïas syriennes, turques, malaisiennes ou autres, et dans certaines, il dit, il y a des... des des, des livres entiers qui sont comme le, celui, le Maouli d'El Banzanji dont il parle, ou, ou un autre poème qui est très connu dont on a parlé tout à l'heure, El, El burda bien sûr, hein, qui est récité à travers le monde entier, et bien sûr, Jalal Dinroumi dans la Maulaouia également, nous dit, Ô oh bien-aimé de Dieu, un cas incomparable envoyé, préféré parmi toutes les créatures, lumière de nos yeux, tu connais l'impuissance des nations, tu es le guide des infirmes, le gardien du jardin de la prophétie, le printemps de la gnose. Et c'est sur ce qu'on va vous quitter avec une petite prière sur le prophète. Et le direct que nous avons établi va s'arrêter. Et nous allons donner la place, après une petite prière sur le prophète, à notre ami Andres Kilami, qui va nous, euh, nous rappeler euh, par le, un langage un peu moins euh, extérieur, on va dire. Il va parler à nos âmes directement, plus qu'à notre, à notre mental. Euh, merci infiniment, Sidi Slimane, d'avoir éclairé oui. nos auditeurs. Bien sûr, on n'a jamais assez de temps et je sais que Sidi Slimane, il, il aurait pu encore donner davantage, mais peut-être ça ce sera au cours d'un prochain échange qu'on pourra Lui approfondir Lui. Euh, sur ce sujet. Et sur ce, nous disons mm. salli wa ala muhammad alayhi salam. صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاه تدوم وتهدى اليه ممر ما الليالي وطول الدوام <applause> اللهم <ومصر> صل الله وسلم وبارك <applause> عليه وعلى اله على شرف المصطفى بن الشفاده في بنان سعد بن المسلمين رحمه على صاحب هذا اللقاء يا ربي ورحمه لمشايخنا الكرام <applause> <applause> وتعظيما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحه در این هم تنهای مخیل